seule ville, un pharaon règne sur bien plus que ça. Mais où m'emmènes-tu, puissant chat? Vers un autre monde? Un nouveau royaume? Vers la lune? C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Matsuki a avoir pensé un plan très méchant. Nous retourner voler glace chez le glacier. Non, désolé. On fait ce que j'y ai choisi. Sœur Céline, arrête de faire son petit cep. On dit petit chef. Un cep, c'est un champignon. Peu importe. Téléportation. Selon la légende, les pharaons se servaient de la puissance lunaire. Oui, la légende dit vrai. Oh, mon palais, 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 palais. Je sens le pouvoir des pharaons qui se réveille. Ce trône est parfait pour un roi. C'est vraiment parfait. Hé, la momie! Oh? Qu'est-ce que tu fais dans la forteresse de Sœur Céline? Sœur Céline? Mais je suis le chef de la lune! Personne ne remet en question la grandeur du pharaon! Votre ami devait me rendre un livre sur la lune aujourd'hui. Il est en retard. Oh, en retard? Jamais Hector n'oublierait de rendre un livre de la bibliothèque, même s'il était en balade à l'autre bout de l'univers. Il a un livre sur la lune, peut-être qu'il est là-haut. Oh, et qui d'autre adore aller sur la lune? Sœur Céline et Motsuki, tu crois qu'elles auraient pu le capturer? En tout cas, ça ne coûte rien de leur poser la question. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Premier trésor. Les amis, aucun signe d'Hector. Ni de Sœur Céline. Nom d'un hibou défumé. Sur la lune avec le spatio-totem. Inutile. Elles sont là.
Natsuki adorait les milkshakes volés. Arrêtez! Hein? De un, vous volez des milkshakes qui ne sont pas à vous. Oui, on est au courant. Merci. Et de deux, votre pouvoir lunaire vous a servi à capturer Hector et l'Astro-Hibou. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Dis-nous la vérité, Sorceline. Qu'est-ce que tu as fait à Hector Étoile? C'est n'importe quoi. Téléporte-nous loin d'ici, Motsuki. Au revoir. Hors de question, pourquoi toi nous embêter? Pourquoi accuser Motsuki et Sorceline? Motsuki, pas capturer Hector. Oiseau rouge. Oh, par mes oreilles de chat. Par mes écailles. Oh oui, j'ai volé les chars du chat et du lézard, oh oui. Glu-glu, Pijarobot, est-ce que vous m'entendez? Elles ont aussi volé nos véhicules. Mais on n'a rien fait, on n'a pas bougé d'ici. Elle a raison, elles n'ont pas bougé, je ne les ai pas quittées des yeux une seconde. Alors qui ça peut être? Nos affaires sont sur la lune et elles vivent là-bas toutes les deux. Viens, on file d'ici. Elles s'enfuient. Elles en savent peut-être plus qu'elles ne le disent. Ces précieuses splendeurs sont désormais à moi. À moi. Bien. Maintenant, le musée. Il est vraiment dangereux. Allez, Hector Étoile, concentre-toi. Utilise tes pouvoirs de l'espace. C'est moi, Hector. J'appelle les pyjamasques. Apophis est sur la lune. Attendez, j'entends quelque chose. Téléportation. A plus, Pyjaminus. Hein? C'est moi, Hector, sur la lune. Apophis est sur la lune. Quoi? Apophis? Apophis a utilisé un sort. Cherchez quelque chose qui a l'air magique. Tu sais, toutes ces vieilles choses ont l'air magiques. Comment tu veux qu'on devine ce dont il a pu se servir? Commençons par aller voir ce qui brille là-bas. Hein? Pas si vite! Motsuki aimait les gribouillages du papier. Bon, c'est qui Apophis? Et qu'est-ce qu'il fait dans ma forteresse? Les amis? Où est passé le sphinx? Ne t'inquiète pas, les sorts de ce papyrus vont nous servir. Il faut juste réussir à déchiffrer ces hiéroglyphes. Vous êtes prêts? C'est l'heure d'être de vrais héros! Tous en combinaison! Gluglu, on va avoir besoin de toute ta force! Gluglu, on est en position! Nous aussi, on est prêts. Vous avez le sort d'inversement? Oui, c'est bon! Je l'ai déchiffré. J'adore les hiéroglyphes. Motsuki, pouvoir téléporter oiseaux et chats maintenant? Je suis le puissant chef de la lune. Et ce n'est que la première partie de mon plan, car je compte bien conquérir beaucoup d'autres planètes. Dans ton plan pour dominer l'univers, est-ce qu'il y a aussi un chat de l'espace et un insecte extraterrestre? Quoi? Maintenant! Chat merveilleux, écoute la raison. Il est l'heure pour toi de rentrer à la maison. Yo-yo, acrobaton! Yo-yo, ligoton! Si vous croyez que ce petit tour de passe-passe suffira à me faire renoncer, libérer garçon de l'espace et le ramener avec oiseau rouge et véhicule jusqu'à terre.
Otsuki, on n'aurait pas dû vous accuser, Sorceline et toi. Le courageux Yo-Yo a rampé, sauté et bondi. Et s'est totalement trompé sur vous. On est vraiment désolé. Ce n'est pas grave. Et puis, c'était plutôt drôle de jouer les gentils pour une fois. Pyjamas et les filles de la lune ont crié « Hourra !»